Pasteur. Tu es quoi ça, il est un pasteur. Pourquoi moi, ici, je fais comme les... C'est quoi ça? Il dit, mais est-ce qu'il fait exprès? Il y a une église où il y a des démons, il va les chasser. On m'appelle, on conseille d'église, on parle, tout ça. Et puis un dimanche, j'ai dit, vraiment, le pasteur est ma mère. J'ai pris le micro, j'ai commencé à adorer le Seigneur. J'ai dit à tout le monde, amen, j'ai appelé le pasteur, viens. Quand il a dit, venu jouer moi pour dire comment, pourquoi. Il m'a dit, comment il a dit. Il m'a dit, il a dit. J'ai sali sa veste, tout ça, la tournée. Il est là, il est fatigué. Il va jouer ce qui est en haut. Et ce qu'on appelle le Saint-Esprit. Tu es venu jouer ici, moi, pour dire, mais pourquoi tu as dit quoi? J'ai reçu quelque chose. Amen. Le Saint-Esprit qui est descendu le jour de la Pentecôte, ce n'est pas de l'amusement. Tu as venu jouer, dire, jouer ça. Je vais te montrer qu'il y a le Saint-Esprit à moi. Il s'est levé, il dit, tu sais, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il dit, oui, il reconnaît ça. Il dit, ah, tu reconnais. Il reçoit le parlant là. Maintenant, celui qui me cherche, il dit, tu fais comment? C'est faux ce que tu as dit, voilà. Quand tu n'as pas le Saint-Esprit, vous cherchez, pourquoi me critiquer? Quand on a le Saint-Esprit, on est obligé. Le Saint-Esprit est obligé de se manifester. Tu vois un pasteur de les critiquer, il n'a pas le Saint-Esprit. Vas-y, critique là. Quelqu'un qui a le Saint-Esprit n'a pas d'aller critiquer. Il démonte, il avance. Je sais que Jésus lui avançait. Là, j'ai été étonné de voir que les démons, quand il parlait, quand les démons sortaient du corps. C'est lui qui n'a pas le Saint-Esprit qui va s'attaquer. Ah, c'est la magie. Parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Je vais poser la question. Entre Dieu et Satan, qui est fort? Mais pourquoi vous supposez que quelqu'un il manifeste le Saint-Esprit? Vous parlez, c'est Satan? Si ça dépasse votre entendement, asseyez-vous et posez la question. Parce que la Bible dit, Jésus dit, tous ceux qui croyons en moi feront les plus grandes choses. Parce que moi, Dieu m'a dit, qui aime ma tête, tu vas toucher le vent des gens, tu vas faire sortir des cardinaux dans leur corps. Il m'a déjà dit ça. Ouais, c'est les étapes du ministère. Et j'y crois. Quand j'ai dit, la vie cardinaux dans ton ventre, c'est pas là, là. Non, tu es guéri. Non, je vais faire sortir des cardinaux de ton ventre. C'est très bientôt. Et je vois ça. Toujours dans ma vision. Vous voyez, c'est des câbles avec Dieu. Et des étapes. Moi, je ne limite pas Dieu. Amen. Amen. Vous avez vu un pasteur un jour en train de faire rire matin, il donnait manger aux gens. Vous n'avez pas vu un pasteur qui a prié, puis le riz est venu dans l'église, puis il a fait manger aux gens. Si un pasteur faisait mon fils, ou bien. Pourtant, Jésus a donné à manger aux gens. Jésus dit, tous ceux qui ont cru en lui feront les grandes choses. C'est pour ça que moi j'ai des terres fétiches. On m'a dit Jésus n'a pas fait, mais j'ai fait plus que Jésus. Je ne dois pas faire comme lui, je dois faire plus que lui. Je suis désolé. Si je ne fais pas plus que Jésus, c'est que je ne suis pas disciple parce que le disciple est plus puissant que son maître. C'est ce que la Bible dit. Le maître t'a enseigné aussi bien. Toi, tu as l'université du maître, docteur, tu n'as pas atteint ton niveau. Tu ne dois pas être comme ton maître de ses biens. Tu dois dépasser ton maître de ses biens. Oui, bien. Tu vas venir d'être comme ton père de ses biens. T'as fait ABC. Cru en Jésus, il doit être plus que ça. C'est qu'il avait, il doit être plus que ça. Vous savez que les disciples guérissaient les gens. Non, l'ombre de Paul guérissait les malades. Amen. Nous devons chercher l'onction, frère. Quelqu'un est malade, faites l'expérience. Levez-vous, allez prier pour les malades. Ne dormez pas. Levez-vous, allez prier pour les malades. Si on vous présente une maladie, priez. Pendant que vous serez en train de prier, vous allez voir que Dieu va commencer à vous donner l'onction. Si vous aimez une chose, Dieu vous donnera cette chose. Amen. L'humanité a besoin de découvrir la puissance de Dieu. Vous avez ça en vous. Vous dormez. Vous allez un jour rendre compte à Dieu. Vous rendez un jour compte à Dieu. Vous êtes là, vous banalisez. Ce n'est pas pour vous, c'est Dieu qui vous a donné ça. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça que chaque jour, je dis, Seigneur, donne-moi l'onction. Si vous n'avez pas l'onction, vous ne pouvez pas bouger. C'est pour ça que le Jésus a dit, allons-y, poursuivre. Il faut que vous ayez l'onction. Dis amen. Amen. Il faut que vous ayez l'onction de Dieu. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Même le poison. Moi, j'étais empoisonné à Guy. Ils m'ont empoisonné dans la rigo. À l'église. J'ai fini de veiller. C'est pour ça que je dis, j'ai peur de manger. J'ai même trois haricots et un pain. Comme déjeuner. J'ai fini de chasser des moins vendredi. Chasser des moins la nuit. J'attendais mon petit déjeuner, aller dormir.
J'ai mangé un peu, ronflé un peu. Parce que j'ai veillé toute la nuit. Or, j'avais une diaconesse dans l'église, sorcière qui me défait. Elle a dit, c'est elle qui fait le plat. C'est la raison qui fait que je mange plus, papi. Elle t'a fait l'haricot en mettant médicaments de souris dedans. Moi, j'ai vécu des choses. Et j'ai bien déjeuné, amen, Seigneur, amen. Puis je suis allé dormir. Je dors deux heures, mon ventre a commencé à s'enfler. Je commence à rôter. Les choses ont commencé à changer. Je ne peux plus bouger. Tout a commencé à être lourd sur moi. Je ne comprends plus. Le Saint-Esprit dit, on t'empoisonne. Jusqu'au soir, je ne pouvais plus. Tout ce qu'on pouvait faire pour vomir, rien. On regarde, on fait les analyses, on dit, on t'empoisonne. Mais Dieu m'a maintenu jusqu'au soir. Le Keio, je n'avais pas de voiture. Le Keio à Sassandra, c'était les bandias. Oh, j'ai peur des bandias. Ces bandias-là, ils prennent pour aller à Sassandra. Quand je vois un bandia, j'ai peur. Parce que là où il y a bandia, tu vas te blesser un peu. Bou, 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 bou. Arrivé à Sassandra, le Saint-Esprit me dit, prends une bouteille d'eau. J'ai commencé à boire de l'eau. J'ai senti qu'il y avait des plaies. On m'avait à l'hôpital. C'est ce qu'on appelle fibroscopie, c'est ça, non? Mm-hmm. On me met, on dit, oh, l'infirmière commence à s'inquiéter, vous dites. C'est fini. En principe, tu ne peux pas vivre pendant 3 heures du temps. Mais il ne comprend pas. Il dit, oh, c'est ça qu'on appelle le miracle de Dieu. Mm-hmm. Il dit, Marie, tu es avec toi. On m'a envoyé à San Pedro. C'est pour ça qu'ils m'ont traité, ils ont mis les poudres. Et puis aujourd'hui, c'est fini. Amen. Amen. Dieu, parce qu'il m'a confié une mission. Moi, je sais. Je n'ai pas commencé le ministère. Il est venu m'emposer. Pourquoi? Je suis venu dire la dame, tu sais. C'est parce que c'est l'église que je n'ai pas envie de faire le scandale. Oui, j'ai respecté l'image de l'église. Parce que l'église, ça fait scandale. Or, le monde attend le scandale de l'église. Comme j'avais l'image de l'église, je n'ai pas fait le saint scandale. J'ai réuni les pasteurs, plus la dame. J'ai dit, je sais. Elle dit quoi? Elle dit, voyez ce qui s'est passé. Elle dit non, tu sais, peut-être c'est le gars qui vend les haricots là, qui ont mis. Elle dit non, on dit c'est un empoisonnement. Et puis c'est bien, je ne vous demande pas. Oui, mais je n'ai pas fait les cinq problèmes à cause de l'image de Jésus. Et si je faisais ça, ça allait prendre toute la vie. Et puis l'image, on dit, ah vous les chrétiens là, vous êtes mauvais. À cause de l'image. C'est pour ça que je ne suis pas l'homme, même si tu es un pasteur, je ne suis pas obligé de faire scandale. Parce que la Bible dit que le scandale arrive, mais malheur à qui? J'évite de faire le scandale. C'est pour ça que quand je vois les pasteurs, les gens, ils font leur télévision sur Internet. Leur ministère, c'est d'attaquer le pasteur qui est là-bas. C'est d'attaquer le pasteur. C'est démoniaque. C'est pas un ministère de Jésus. Jésus n'a jamais dit aux gens de dénigrer les gens. Même s'il est dans l'erreur, c'est pas nous. C'est à Jésus de s'occuper de nous. Pour enseigner tes fidèles. S'ils sont bien enseignés, ils connaîtront ce qui est faux. Ils vont distinguer ce qui est du faux et du vrai. C'est pas à toi de dire tel pasteur qui est en Côte d'Ivoire, il est faux pasteur. Tel pasteur, ça c'est un ministère, ça. C'est pas un ministère. Et puis les gens regardent. Yo, le monde a besoin du scandale. Le monde attend. C'est pour ça que je ne suis pas dans les associations des pasteurs. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis pasteur de Bruce. Je m'ai évangélisé. Il y a tout le choix à faire. Aller s'asseoir dans une salle, telle pour conférence. Je ne suis pas dedans. Je m'en vais à Gogobro, je m'en vais à Zaroko, à Douaville. C'est là-bas il y a l'évangélisation. Le sorcier, je l'amène à laisser. Comme on mange les gens, puis te donner à Jésus. C'est comme mon problème. Amen. Amen. Donc c'est pour dire, quand vous avez Jésus, c'est l'assurance vie. J'ai l'onction, j'ai fait un accident sur l'autoroute. J'ai vu, les gens ont vu l'image ici à Zaroko. J'ai fait un accident. Les gens sont descendus des cars. Ils sont venus regarder, je suis sorti pour les prêcher l'évangile de Jésus. J'aurais dit, Dieu me protège. Esaïe 54, verset 17, tout a mangé comme moi, je la sens un peu. J'ai l'onction à moi. C'est anti-accident. Vous cherchez les barres bizarres, vous mettez, tu vas vous donner cancer de doigt. Aimez les frères sur vous. Vous savez, anti-accident. Ça dépend de comment tu marches à Jésus. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Ça dépend de comment vous voyez Jésus. Moi, je vois en lui tout. Je suis content. Les gens, ils sont pas du même matin parce qu'ils ne savent pas qui est Jésus. Jésus, là, c'est anti-accident. Quand il parle, c'est un noir, il comprend. Quand il dit Esaïe 54, verset 17, il comprend pas ça. Ça dit que si ils ont pris accident pour te tuer, ça ne va pas arriver. Esaïe 54, c'est comme ça.
Si on dit poison, ça ne va pas t'arriver. C'est ta foi. Or, la Bible dit qu'il paie si sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. La sorcière t'a préparé à Satan. Il t'a me tué. Pourquoi? Mon propriété, c'est Dieu. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Quel est l'héritage de mes serviteurs? C'est ton héritage. C'est-à-dire, c'est bien acquis. C'est pour toi. Je dis à mon chauffeur, c'était un petit gula. C'est un petit corbeau. Il a dit à Nève, les bacs, c'est toi. Il dit non, c'est ta vie. Il dit à Nève, le jour, moi, tu me vois faire accident, que je meurs, ou que tu es blessé. Oh mon Dieu, On est en pleine pluie. Paf, la voiture est partie, ça peut. Ça a pivoté comme toupie. Ça allait comme ça. Quatre fois. Le cas venait KS. Ça devait affronter. On a senti une main. Il avait peur. Je lui ai dit, reste tranquille. Dans la voiture, je conduisais la chose. Je voyais. Cela, il dit, ah, donc quand quelqu'un fait accident, il voit sa mort. Il voit, puis non. C'est ça qui fait mal. On voyait la chose. Il avait peur. Je lui ai dit, garde ta sérénité. Ne parlez pas. On va s'en sortir. Je lui ai dit, viens en avant. J'ai parlé dans la voiture. J'ai parlé avec lui. On a fait, vous pouvez sortir. Ça nous a jeté dans le ravin. Les gens sont descendus. Tout le monde cherche. Quand ils se sont tenus, mais il n'y a pas de cadavre. Il a dit qu'il y a un cadavre. Non, il dit non. Voilà, il est. Voilà. Ah! À la cabou. Et tous. Il y a les gens qui partaient de Tia Salé. Ils sont revenus pour prendre des gens pour amener à l'hôpital. Il est. Monsieur. Il est. Il dit, je suis pasteur. Ah! Tu es pasteur. Tu es grand. Tu es grand. Mais Dieu, ses camarades. C'est pour ça qu'il le suit. Je ne suis pas venu à Jésus, puis n'importe quoi avant ma voix. Un petit vilain sorcier, vieux sorcier. Tu as venu me manger. L'accident, pourquoi? Dieu doit te montrer à plus B qu'il est puissant. Frère, le Jésus que nous prions est puissant. Amen. Amen. C'est pour ça que vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Vous devez vous attacher à la prière. Qu'on vous donne à manger, prier. Moi, j'ai compris quelque chose. Depuis 3h30, je rêve toute la journée. C'est trop. Quand vous priez à partir de 3h30, vous allez régler la journée. Tout ce qui s'est fait là, c'est déjà programmé. Oh, toi, tu as déjà déprogrammé. Mais rien ne pourra t'arriver. Amen. Amen. J'ai quelqu'un qui prend l'onction de Dieu. Alléluia. Tu as quelqu'un qui te vole l'onction de Dieu. Amen. Amen. Touche quelqu'un qui te vole l'onction de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a dit aux disciples, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Quand on a le Saint-Esprit, on est devenu témoin. C'est-à-dire qu'il doit témoigner, démontrer A plus B que Jésus est Seigneur. Doit démontrer A plus B que Jésus est Seigneur. Dans la vie de Jacques, j'ai prié pour une jeune fille, une dame, dont l'enfant est mort dans le ventre. On me l'envoie, l'enfant est mort. On dit par prophète, on est venu justement pour que tu pries, parce qu'elle doit subir une intervention. On a amené le bébé parce que le bébé est mort. Je dis, le bébé est quoi? Il est mort? Okay. Mais je vous dis, elle ne va pas subir une intervention, ni Jésus va opérer le miracle. Il me dit non, c'est déjà réglé. Après l'intervention, là, c'est pas après des trucs, mais on a déjà payé. C'est-à-dire, on a un rendez-vous avec le chirurgien. Non, c'est pas une question de non, on s'est déjà réglé, c'est déjà un programme. À 22h, elle doit subir. Je dis non, elle ne bougera pas. Vous me regardez? Elle prend ses amusements, ils vont juste comme un amusement. Non, on pouvait. Non, c'est. On nous attend. Il dit quoi? Vous l'avez envoyé ici? C'est pour un miracle. Oui, mais il faut que Dieu la protège. Mais l'enfant, il est mort. Pourquoi maman là-bas mourir encore? Et les gens des petites fois, hein? Je dis, ok, mais l'enfant va vivre. Il va arriver. Ils ont paralysé ma foi. Je leur ai dit, si vous venez le matin, que votre enfant est mort, mettez-moi en prison. Okay. Ça les encourage un peu. Il dit, si vous venez le matin, que votre enfant elle est mort, amenez-moi en prison. Je prends sur mon engagement.
moi je la mettais ici. Je vous donne le bébé du vivant. Donnez ça. Je crois en miracle. J'ai prié pour elle, je suis allé dormir, elle était dans une chambre. À partir de 1h du matin, j'ai dit, oui, c'est quoi, elle vient d'accoucher. Matin 8h, j'ai dit, prenez vos bébés. Ma croisade a marché à qu'on appelle la Jacques. Alléluia. Amen. Il peut démontrer la puissance de Dieu. Et c'est à partir de ces témoignages qu'on a commencé à faire la croisade. Parce que la Bible dit, quand vous recevez le Saint-Esprit, vous devenez témoin de Jésus. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous devenez témoin de Jésus-Christ de Nazareth. Il te faut le Saint-Esprit. C'est ça qu'il te faut. C'est ça que tu as peur. Tu as peur d'affronter les situations. Tu as peur. Les disciples avaient peur. Mais le jour où ils ont reçu le Saint-Esprit, l'apôtre Pierre, qui a régné Jésus devant une pauvre femme sorcière, a commencé à prêcher devant 5000 personnes. Quand on a le Saint-Esprit, on n'a plus peur de prêcher l'Évangile. Amen. 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 C'est ce que l'apôtre Paul dit, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile. Il te faut le Saint-Esprit. Il y a quelqu'un qui te faut le Saint-Esprit. Nous allons nous tenir debout. Il faut que le Saint-Esprit nous bénisse ce soir. Alléluia. Je peux préparer une sorte d'arachide ou une sorte de plat à la Kali. Je peux évangéliser. Amen. Amen. Tu peux être sorcier, ancien sorcier. Tu peux t'utiliser puissamment. Dieu s'en fout de tout ça. Prouve que tu décides de le servir. Il va t'équiper tout à l'heure. Je vais un cantique avec lui. Lord, il faut que Dieu nous bénisse. Dis amen. Amen. Qui veut le Saint-Esprit? Tu vas aller faire quoi? Manger, bala? Ou même pour servir le Seigneur? Voilà, amen. N'ayez plus peur quand vous présentez un malade, ne dites pas le prophète la soeur est là, non? Commencez déjà à prier pour le malade. Commencez à prier. Quand il y a une situation, ne paniquez pas. Prenez le contrôle de la situation. Si vous pensez que même l'enfant. Vous avez quelqu'un. Dans le langage, impossible n'existe pas. Est-ce que vous connaissez un peu Dieu? On dit impossible, ça n'existe pas dans son langage. Et vous pensez que non, la situation, non. Dieu vous regarde. Quand vous avez une situation, vous devez prendre le contrôle. C'est ta foi. Oh, Dieu ne permet pas que quelque chose comme ça arrive. Si ça arrive, c'est que c'est pour sa gloire. C'est pour sa gloire. Il y a quelqu'un qui faut le Saint-Esprit. Amen. Il nous faut le Saint-Esprit ce soir. L'humanité a besoin. Ton entourage a besoin. Les collègues de ton service, tes collègues ont besoin de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Amen. Oui, il faut qu'il découvre Dieu dans ta vie. Amen. Le dimanche prochain, je vais pousser encore mon enseignement. Comment entretenir ce contact avec le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit devienne ton camarade. Oui, le Saint-Esprit doit te parler des choses. Les choses doivent nous surprendre. Non. C'est parce qu'on n'est pas amis du Saint-Esprit. C'est ce qu'ils sont en train d'enseigner aux gens ici. Moi, je suis là que les gens courent après moi, il y aurait du stop. Vous venez ici, c'est un lieu de pèlerinage. Dieu est ici. Il n'y a pas besoin que vous imposez les mains. Dieu est ici, vis ta foi. Vis ta foi. Il faut que Dieu te bénisse. Vous avez tous cru, nous avons tous cru en Jésus. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui vont cru en mon nom. Il même imposerait les mains malades et les malades seront guéris. Les disciples ont manifesté la puissance de Dieu. Les gens ont besoin de ça. Dieu cherche une génération de gens qui vont démontrer sa puissance aux yeux du monde entier. Moi, je suis un homme de défi. Je suis comme le prophète Élie. J'aime bien parler, démontrer la puissance de Dieu. Oui, comme ça je suis. Je prouve aux yeux de tout le monde. Il n'a pas besoin de faire publicité. Tous ceux qui m'ont suivi dans les villages, le jour où j'arrivais dans un village, tous les villageois sont payés de ne pas dormir. Parce que ce qu'ils vont voir là, ils ne vont même pas dormir. Ouais. Il y a une dame qui m'a cité quand on dit à Zaroko, non, lui là, elle sort de la nuit, elle est dans une église, elle ne dit pas le nom. C'est elle-même qui est venue faire publicité des crasses. Il n'est pas de Dieu, il ne l'écoutait pas. On dit, quoi? Il est de Dieu. Il est de Dieu. Devant lui, il s'en vient parler. Il est de Dieu. Ils vont vous attaquer, mais il ne faut pas comprendre que Dieu est avec vous. Ouais. Amen. Je
Maintenant, va comprendre que Dieu est avec vous. Vous avez besoin de l'onction. Il faut que Dieu vous bénisse. Oui, nous levons tous les mains. Amen. Il faut que Dieu nous donne des dons. Nous allons chanter le Saint-Esprit est parmi nous. D'accord? Nous allons chanter les parmi nous. Vous allez voir qu'il va commencer à œuvrer et répandre son esprit. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Alléluia. Il est présent. Chose de ça va se passer dans ta vie et le Saint-Esprit va te visiter. Il est parmi
arrive sur toi. Quelque chose arrive sur toi. L'action de Dieu. Il est présent. Reçois l'onction de Dieu. Recevez. Pendant que les mains sont debout. Quelque chose se produit dans ta vie. Quelque chose spécial se produit. Tu ne seras plus la même personne. Les choses vont changer. Les choses vont changer. Dieu envoie quelque chose sur toi qu'on appelle l'onction. Et reçois la grâce de Dieu sur ta vie. Reçois la grâce de Dieu. Là où tu as été, l'onction se saisit maintenant même. L'onction te saisit maintenant même. Reçois. Recevez le don de guérison. Reçois le don de guérir les malades. Reçois le don de guérir les malades. Recevez le don de guérir les malades. Dieu ouvre ton attendement spirituel. Dieu veut bâtir une armée. Dieu veut bâtir une armée. Et tu fais partie de cette armée de Dieu. Afin de détruire le royaume. Tu fais partie de cette armée de Dieu. Alors reçois l'onction de Dieu. Dieu envoie l'onction sur toi. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu.
Recevez la puissance de Dieu. Dieu vous accorde l'onction ce soir. Il vous accorde l'onction. L'onction vient sur toi maintenant. La puissance de Dieu vous touche. La puissance de Dieu te touche. Reçois la puissance de Dieu. Reçois la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Il dit dans les derniers temps, Dieu répondra de son esprit. Oui, la puissance de Dieu vient jusqu'à ce toi. La puissance de Dieu vient jusqu'à ce toi. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Dieu répand son esprit sur vous. Dieu répand son esprit. Dieu vous bénit maintenant. Au nom de Jésus. 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 Recevez la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Je vous donne les dons spirituels. Commencez à lever les mains. Esprit de Marie de lui. Démon. Ce soir, tu laisses sa vie. Tu lâches sa vie. Au nom de Jésus. Tu libères sa vie maintenant. Au nom de Jésus. Tu laisses sa vie. Libère-la au nom de Jésus. Tu lâches. Sors. Va-t'en. 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 Au nom de Jésus. Le feu sur toi. Tu libères sa vie maintenant même. C'est un ordre. Lâche sa vie. Au nom de Jésus. Lâche sa vie maintenant. Lâche sa vie. Lâche-la. Lâche-la. Laisse-la se marier. Tu m'entends? Tu vas la libérer. Ce corps ne t'appartient pas. Cette vie ne t'appartient pas. Sors, allez! Lâche-la! Libère-la! Laisse sa vie. Laisse sa vie. Laisse sa vie. Allez. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu sur toi. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. Libère. Libère-la. Libère-la. Allez. Libère-la. Au nom de Jésus. Je chasse. Je détruis les œuvres. Lâche-la. 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 Au nom de Jésus. Lâche-la. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lâche-la. Lâche-moi. Oui, quitte sa vie. Quitte sa vie. Tu vas la libérer. Tu vas la libérer des morts. Tu vas la libérer. Tu vas libérer sa vie. Lâche-la. Lâche-la. C'est un ordre, lâche-la. Oui, lâche-la. Tu vas partir.